Bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le quatrième épisode du Let's Play sur Crisis Core Final Fantasy VII. Dans l'épisode précédent, on a été essayer de retrouver Ungil, mais il a disparu et on a affronté Ifrit qu'on a battu. Ensuite on a fait quelques missions, on va regarder. Je vais pas continuer l'émission, l'émission je les ferai en off. Ça nous permet de monter de niveau en fait. Là j'ai pris 3 ou 4 niveaux de plus par rapport à l'épisode précédent. Et donc je pense que je ferai toutes mes petites missions en off pour gagner du temps pour garder la quête principale. Et donc en fait plus on monte de niveau, plus les difficultés des missions descendent. Donc voilà. Je ferai ça en off et là on va continuer l'aventure. Tu es prêt à y aller? Oui, c'est bon. Je vois. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que le let's play vous plaît. Ready to go? A routine job, right? No sweat. I wonder. Originally, Sephiroth was assigned to this mission. That means it's a top priority matter. Be alert, or you'll fail. And Sephiroth? Refusing to go, apparently. Oh, what is that? They spoil him too much. Why don't you say that to his face? No thanks. Ils sont bizarres ces arbres. Ce sont des arbres à fruits de Banora. Aussi appelé aussi Pomsot. Ça veut dire qu'on est à Banora alors. C'est la ville natale d'Angil, non? Oui, en effet. Genesis et Angil se connaissaient depuis bien longtemps. Ces types, ils étaient aussi au Wutai. Alors, ils sont ici. Nous n'avons vu aucun habitant. Ils ont peut-être pris le contrôle de tout le village. Quand Genesis a déserté, il a pris une grande partie de notre arsenal avec lui. Le président a ordonné de récupérer ou de détruire ses armes à vue. Je m'en occupe. Donc ce que je voulais vous dire c'est qu'en fait les niveaux on a l'impression que c'est aléatoire avec la roulette mais non pas du tout. En fait plus on fait des combats plus de toute façon ça tombe sur le 777 tout comme les niveaux des materia etc etc. Ah. On a reçu un petit mail des fruits de Banora. Tu as été envoyé à Banora, pas vrai? Alors c'est comment? Il paraît que la Shinra a posté plusieurs hommes là-bas. Apparemment, les revenus du village proviendraient en majeure partie de l'exploitation de fruits. Et pour le reste, ce seraient des subventions de la Shinra. Pourquoi la Shinra s'intéresse-t-elle à un village aussi petit? Est-ce que ça a un rapport avec le Mako? Ou alors, à mon avis, il se passe de drôles de choses là-bas. Je vais voir ce que je peux trouver. En même temps, on connaît un peu la Shinra hein, avec les événements de FF7, donc... Ça va, je suis quand même assez fort, j'ai bats facilement les ennemis.
c'est un joli robot qu'il y a là. Ce qui est dommage, c'est que ma foudre elle est que au niveau 1. Le président ne va pas être déçu. Ah mince, j'ai pas mis la foudre. Oh, un niveau de plus. Oh, l'esquive. Ah, mon glacier monte d'un niveau. Genesis copy. Where did you hear that? Sephiroth said it. The technology was stolen from our scientists. Huh? It apparently allows Genesis's abilities and traits to be transplanted to soldier members and monsters. Soldier and monsters, we're the same? On va visiter la zone quand même. Potion X, ok. Là, on peut pas passer. Il est truc pour de bon, pas vrai? Zach, arrête de perdre du temps, il faut se dépêcher. Là, je peux pas grimper. Alors, je sais pas si c'est un objet que j'ai reçu ou si c'est une matériel à truc attaque parfaite ou je ne sais quoi. Attaque puissante. C'est mon brasier et ma foudre. Alors je suis désolé si j'utilise pas trop la magie. Je sais que on m'a dit que je pouvais l'utiliser plus facilement avec la petite roulette. Des fois ça me fait que je ne perds pas de magie quand je l'utilise, mais j'aime bien utiliser mon attaque. Les problèmes internes de cette sorte doivent être réglés avant que le public n'apprenne la vérité. Il n'y a toujours aucun signe des habitants. Allons voir dans les maisons.
Ok, allons voir dans les maisons. Très jolie maison d'ailleurs. This is Genesis's home. His parents are wealthy landowners. But I never stole from that tree, because the wealthy man's son was my friend. They weren't mere acquaintances. They grew up together and were best friends. So Genesis deserts and gets his best friend Angeal to join him. Is that it? Sephiroth believes that's the case. There. A gravestone, still very new. Zack, go find Angeal's house. I'll check the grave. Ugh. So Turks always do this stuff. Someone has to do it. Must be rough. Don't worry. We're paid much better than you are. No way! Zack, trouve la maison d'Angeal. Elle doit se trouver dans le groupe de maisons, juste là. Sois prudent, la zone est peut-être déjà envahie par l'ennemi. Regarde s'il n'y a pas un coffre. Apparemment non. Alors la maison d'Angeal. J'en ai aucune idée. Il va falloir inspecter chaque maison. Ouh, il y a quelqu'un. La porte est fermée, on dirait que la maison est vide. Ouh, il y a quelqu'un. Quelqu'un, la porte ferme en direct. Là vu qu'il y a des animaux qui... Ah ok. Activating combat mode. Oh yeah. Complete resolve. Ah les machines, la foudre, ça leur fait des dégâts. Greetings, ma'am. Are you Angeal's mother? My name is Zack. Are you Zack, the puppy? Excuse me? My son wrote to me once about you. Zero attention span. Restless as a little puppy. Oh, thanks, Angeal. You're not here together with Genesis, are you? No, I'm not. Don't worry. What is happening with my son? I'm not really sure. Genesis came back here a month ago with an army of cohorts.
and they proceeded to take the lives of many townspeople. Genesis, he used to be such a good boy. Is Angeal... He came here. But he left his sword and went off somewhere. That sword represents our family's honor. I see. No wonder. He never uses this sword, really, ever. I'll take care of Angeal. You should go and hide somewhere. Don't be concerned. Genesis cannot harm me. Ok, donc Angeal a pas forcément trahi. Quand Angeal a rejoint la Shinra, mon mari lui a fait fabriquer une épée dans l'espoir qu'il devienne un guerrier honorable. Nous avons dû emprunter beaucoup d'argent pour la fabriquer et à force de travailler dur pour rembourser cet emprunt, mon mari est mort depuis. Oh, une photo d'Angeal. La vache, il est tout jeune. Elle a dû être prise quand il a rejoint un soldat. Il a déjà l'épée broyeuse. Tiens, une photo de famille. Angeal est encore en train de faire le fier avec son épée broyeuse. Ça doit être le père d'Angeal. Il a l'air aussi sérieux que j'imaginais. Une photo de bébé, c'est Angeal ça? Il est mignon comme tout. Ces deux gamins, ça doit être Angeal et Genesis. On vole l'argent de la mère d'Angeal. Ça, c'est pas cool. Ouais, c'est mon fils. Angeal, où es-tu passé? Hein? La pique de Genesis. Activating combat mode. Oh yeah. Conflict resolved. Il y a une usine aux abords du village. J'ai vu une réplique de Genesis y entrer. Tu crois que c'est RQG? Probablement. Je suis actuellement sur une colline qui surplombe l'usine. Il ne faut surtout pas attaquer de front. Nous entrerons par au-dessus. Rejoins-moi sur la colline immédiatement. Ouais, je sais pas ce que c'est. Un remède. Et là je peux pas. Et donc on va aller sauvegarder. On va continuer quand même hein, mais du coup, on a parlé à la maman d'Angeal. Tout ça. On va gagner un peu de temps pour la suite. De venir sur la colline, tu m'as pas écouté ou quoi? Un assaut frontal sera trop risqué, n'oublie pas que c'est une mission de reconnaissance. Ouais, mais il y a des coffres.
Bon. Les ordres sont les ordres, retournons en arrière. Mais bon, il y avait des coffres. Ça m'embête. Bon, il y en a un aussi ici. Cher membre du soldat, merci pour vos efforts au quotidien. Après avoir reçu un rapport sur un tragique incident, je me suis mis à réfléchir au lien du sang. On est conclu que si nous pouvons trouver le bonheur ailleurs que dans nos familles, cela signifie que les liens du sang ne sont pas forcément synonymes de bonheur. Ce qui fait la différence, c'est le respect et la reconnaissance, car sans cela, tout n'est qu'animosité. Le soldat doit accomplir son devoir rapidement, mais aussi prévenir le risque. Ok, là, il y a un coffre aussi. Bonus PM. Ok, on examine. La foudre avec les machines, c'est très très efficace. J'aimerais bien la monter au niveau 2, ce serait cool. Genesis's parents were in that grave. Wait, he... his own family? We can't expect reason from him. What about Angeal? He wasn't at the house. But please, give me time. If I find Angeal, I can talk to him. If I can convince Angeal, maybe Genesis will come back too. I understand now why Sephiroth chose you. Huh? Genesis and Angeal. Those two were Sephiroth's only friends. He didn't want to fight them. That's why he refused the mission. Well, Angeal is my friend too. He's counting on you to bring them both back. Time is short. Let's go. Infiltration réussie. En plus discret, hein. On casse du verre, tout ça, c'est... Par devant, je m'occupe de tout ici. Zach, par ici. Fais attention à toi. Ça nous fait des sous. Ah, attends. Je vais aller voir au bout parce que il faudrait bien qu'il y ait un coffre caché, un truc comme ça. Sinon, ce... ouais, bah voilà. Sinon, ce sera vicieux qu'il y ait un grand truc comme ça. 500 gilles, c'est cool ça. Ça pourra toujours servir. Si pour le moment je m'en sers pas. Activating.
combat mode. Out of the way! En tout cas, il y a des soldats. Hein. Conflict resolved. Je pense que je vais pas tarder de monter de niveau vu qu'on a eu pas mal de combats. Zach, pas ici. Ouais, bah attends, je vais explorer la zone. Il y a un coffre. Là apparemment il n'y a pas grand chose. Il y a un coffre là-bas. Un élixir. Des fois la caméra est pas terrible quand même. Un remède. Je dirais que les répliques sont fabriquées ici. Vérifie à l'étage, Genesis est peut-être là-haut. Déjà il y a un point de sauvegarde, ce qui veut dire boss probablement. Si j'arrive à le trouver. On va faire une sauvegarde. On va continuer un petit peu. Infinite in mystery is the gift of the goddess. We seek it thus and take to the sky. Ripples form on the water's surface. The wandering soul knows no rest. Settle down. Zach, the puppy. The grave at the house. We found the remains of our people there as well. It didn't take much to have them send false reports. Just some mild threats. They would have done that anyway. At least your parents would have. My parents betrayed me. They had always betrayed me from the very beginning. What do you know? Shinra Lapdog! Welcome, partner. I see. You finally made your decision. I'll respect your wishes, old friend. However, can you really live on that side? Angeal! Ok, on a retrouvé un Jill. Alors je sais pas si la mission va être encore longue, alors je vais m'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. On va se retrouver dès lundi pour la suite de nos aventures sur Crisis Core Final Fantasy VII. Et donc bah, d'ici là, portez-vous bien et à bientôt, ciao.